Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir aujourd'hui. Hier, nous vous avons parlé de ce qui s'est passé, qui fait le buzz en ce moment. Il s'agit d'une bagarre qui s'est déroulée entre deux personnes connues, très très connues je dirais même, des personnes qui ont vendu des millions d'albums. Et cette bagarre n'est pas sans conséquence et ça a même provoqué la réaction de beaucoup de personnes, y compris de leurs fans. Dans la vidéo précédente, nous vous avons dit que ce qui vient de se passer va vraiment avoir des impacts sur tout ce qui les entoure. Et ce n'était pas faux parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes ont réagi, tout le monde a réagi et même les autorités ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que se passe-t-il en ce moment? Nous allons tout vous dire et au final vous dire si ça valait vraiment la peine. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine qu'ils arrivent jusqu'à là? Qui va gagner cette histoire? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Et ce qui est en train de se passer en ce moment-là est vraiment, vraiment grave de chez Monsieur Grave. Nous rappelons ce qui vient de se passer. Pour ceux qui ne sont pas informés, c'est une bagarre entre deux artistes très connus qui se trouvent en Europe. Et ces deux artistes célèbres-là se sont retrouvés à Orly, dans un aéroport de France. Et ils ont tout simplement réglé des causes, ont réglé leurs différends par des bagarres. Par des choses bizarres, je sais que vous le savez, et c'est eu des dégâts. Nous devons savoir que quand il y a eu cette bagarre, les dégâts, il y a eu des dégâts matériels, mais aussi des chocs. Ça choque parce que puisqu'il y avait des enfants qui étaient là, les enfants étaient choqués de voir leur père. On peut dire que c'est leur père parce que ces deux personnes sont avoisinent la quarantaine ou même sont pleinement dans la quarantaine. Donc ce sont des bagarres, des personnes qui sont âgées. Donc ça a touché tout ce qui était là. Et même les magasins qui étaient là, parce qu'il y avait vraiment des bagarres, c'était plus de 10 personnes qui étaient en train de se bagarrer carrément. Ils ont utilisé tout sur le passage. Ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Et là, c'est grave. Il y a même des vols qui ont été annulés. À cause de cela, il fallait voir des gens traumatisés même dans l'aéroport. Et cette bagarre, selon les informations que nous avons reçues, on a appris que cette bagarre a duré une quinzaine de minutes. Ah! Ça dit, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que bon, la police a quand même mis du temps à venir. Là, c'est la première réaction. Les gens ont dit que, mais comment se fait-il que dans un endroit qui est censé être sécurisé, une bagarre dure 15 minutes sans que la police ou encore les autorités interviennent. Et cette bagarre qui a eu lieu là n'a pas été appréciée par les fans de loin comme de près, de droite comme à gauche. Les fans n'ont pas du tout apprécié cela et ça a félicité. Vraiment bravo, je laisse un j'aime à tous les fans. Leur réaction, ils n'ont pas apprécié du tout cela. Voici la réaction d'une ou deux personnes, ou peut-être trois. La première réaction qui m'a touché, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait pas besoin d'arriver jusqu'à là. Ce sont des personnes connues. Qu'est-ce que tu vas gagner encore à faire des trucs pareils? Parce qu'ils voient cela comme quelque chose qui est insensé, qui n'a pas de sens. On ne voit même pas la raison d'être. Ce n'est pas la peine. Une deuxième personne a dit, mais c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. On n'a pas besoin de ça.
En plus, il y avait des enfants dans cet aéroport-là. Des personnes qui avaient des rendez-vous importants ont vu leur vol annulé à cause de cette histoire. Même le magasin a été vandalisé. Les gens ont profité de cette belle opportunité pour faire des vols. Quelles conséquences? Pendant qu'il y a la bagarre, au lieu de venir séparer, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont mis à faire des selfies, à prendre des photos. Est-ce que ce sont des choses qu'on a fait? Ça, ce n'est pas ma réaction, c'est la réaction de quelqu'un. Les gens ont commencé à réagir. Il y a un autre qui a dit qu'on sait que vous êtes en guerre, mais si vous avez besoin d'arriver jusqu'à là, pourquoi ne pas régler vos comptes face à face? C'est-à-dire, sur un ring, voilà, on vous donne des gants, vous allez régler vos différends là. Si vous pensez que vous devez vous respecter ou encore vous devez arriver jusqu'à là, mais pourquoi venir dans un lieu public? Il y a une autre personne qui n'a pas manqué de dire que c'est pour créer un buzz, pour créer une sorte de chose où ils veulent qu'on entende parler d'eux, pour faire marcher leur album ou leur futur album. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais beaucoup de personnes ont vu en cela comme quelque chose d'organisé. Du genre, les deux parties se sont mis ensemble pour organiser une telle chose. Que les deux parties se soient mis ensemble pour organiser cette bagarre ou pas, les conséquences sont là. Et comme conséquence qui est visible, c'est que les deux personnes sont en ce moment en garde à vue. Qui gagne? Vous êtes en garde à vue. On dit Vietnam is money. Si le Vietnam is vraiment money, si le temps c'est de l'argent, vous êtes tenté de perdre de l'argent en restant là-bas. En plus, les dégâts que vous avez occasionnés, les dommages et intérêts, vous allez. Les magasins, l'aéroport même, j'ai appris que l'aéroport a porté plainte. Pourquoi? Parce que les vols ont été annulés à cause d'eux et il y a beaucoup de dommages et intérêts. Il y a des choses vraiment graves, des choses vraiment étranges et ces gens vont devoir payer les frais, ils vont payer des amendes très lourdes. Quand ils vont sortir de là, ils sauront que le diable a gagné sur eux. Est-ce qu'ils avaient besoin d'arriver jusqu'à là? Est-ce que c'était nécessaire? Toutes les réactions ont démontré que ce n'était pas utile. Ces gens, ils sont de l'argent. Ce sont des gens qui ont vendu des millions d'albums. Ils ont les moyens. Mais ce n'était pas nécessaire. Ces gens, ils ont de l'argent, ils sont âgés. Mais pourquoi ne pas faire preuve de la sagesse? C'est en ce moment-là que nous revenons ici pour dire que quand la parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu là, c'est plus que de l'or et de l'argent là, voici son sens, voici sa signification. La sagesse de Dieu est plus que de l'argent, est plus que de l'or. Si tu as l'argent, tu as beaucoup d'argent, tu as même beaucoup de voitures, que tu n'as pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu n'as rien et tu n'es rien. Parce que regarde ça, regarde ce qui vient de se passer. Regardez ce qui vient de se passer. Ces gens sont riches, n'est-ce pas? Oui, ils sont riches, ils ont de l'argent. Mais ils n'ont pas fait preuve de sagesse en ce moment-là. Ils se sont laissés emporter par leurs émotions. Et se sont livrés à des choses bizarres. Ce n'était pas la peine. Tout le monde a réagi. Et les gens continuent de réagir. Une bagarre entre deux personnes célèbres. On ne peut pas se taire sur ça pour dire que nous ne sommes pas touchés par ça. On ne peut pas dire non. On n'est pas informé, on n'est pas au courant. On ne sait pas ce qui se passe. Non! On ne peut pas fermer la bouche pour dire oh, on n'est pas intéressé. Les deux personnes chantent. Ils chantent, les deux personnes sont connues. Et ils sont suivis. Les deux personnes sont suivies. Ce sont des rappeurs. Mais le problème, c'est que nos enfants sont touchés aussi. Je suis content
que les jeunes ont pris de la sagesse aujourd'hui. Les jeunes ont pris de la... En tout cas, dans les réactions, j'ai découvert que les jeunes aujourd'hui, ils comprennent, ils ont grandi, ils ont vu qu'aujourd'hui, arriver jusqu'à ce point-là, c'est enfantin. C'est inutile. Ça ne valait pas la peine. Ils auraient dû régler leurs différends d'une autre façon, d'une autre manière. Maintenant, qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction? Aujourd'hui, vous êtes libre de laisser vos commentaires dans la partie commentaires. Mais il faudrait que ce soit des commentaires constructifs qui vont nous aider à résoudre le problème. En ce moment, les deux sont en garde à vue. Tous les médias en ce moment sont en train de parler de cette histoire. Personne ne s'éteint là-dessus. Mais c'est normal. En ce moment, en France, puisque c'est en France que c'est passé, c'est produit dans un aéroport de la France. En ce moment, en France, on parle de terrorisme, on parle de choses bizarres. Et les gens sont en train de tout mettre en œuvre pour sécuriser les lieux, pour se faire à ce que tout soit parfait, que les gens regagnent la confiance ou encore regagnent en sécurité. C'est en ce moment-là que des personnes célèbres vont venir créer un tel désordre. Et la réaction des gens s'est tout de suite fait sentir. Et tous ceux qui étaient à l'aéroport en ce moment-là et qui assistaient à cette bagarre, tout de suite, ils ont pris leur portable. Ils se sont mis à filmer. Ils se sont mis à capturer des images. Ils se sont mis à capturer tout ce qui est autour d'eux. Qu'en pensez-vous? Dans une telle bagarre, est-ce que vous allez venir vous positionner là pour essayer de les séparer? Ou bien, peut-être que quand vous allez essayer de les séparer, peut-être même que vous-même, vous allez prendre un coup. Il est préférable d'appeler la police ou encore les autorités, afin que eux, ils puissent utiliser les armes qu'ils ont pour régler ce conflit le plus rapidement possible, pour ne pas que les familles soient choquées. Il y avait toutes sortes de personnes là-bas, des personnes en chaise roulante, des enfants, des pères de famille, des mamans et même leurs fans. Il y avait tout le monde. Les gens continuent de réagir. Ça m'étonnerait que ce soit la dernière vidéo sur ce sujet. Que va-t-il se passer après, je dirais plus tard? Abonnez-vous en dessous de cette vidéo et ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous allons tout vous dire sur ce sujet. Voici pourquoi il est important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous donne Dieu nous donne la sagesse de Dieu quand on lui demande. Il nous donne tout ce qu'il faut pour être bon, pour être meilleur, pour que tout soit parfait chez nous. Avoir de belles voitures, c'est bien. Avoir de grandes richesses, c'est important, c'est extraordinaire, c'est beau. Ça va embellir ton corps. Les gens seront impressionnés. Tout le monde sera attiré. Les gens diront que tu es extraordinaire, tu es élégant. Mais c'est ce qu'est l'intérieur là. Fais ta vraie valeur. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, tu n'as rien. C'est le moment de prier dans ce sens et que Dieu lui-même nous aide à avoir son intelligence et sa sagesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vous gardez. Abonnez-vous à la prochaine vidéo. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Reborn. À de cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, adressez cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via PayPal ou encore Western Union. Waouh!